Coucou, bonjour à tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour de nouvelles énergies pour ce week-end, donc du samedi 23 et dimanche 24 janvier. Donc voilà, c'est parti pour voir un peu les énergies pour ce week-end. Voilà, donc c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc merci d'être fidèle à ma chaîne, hein, voilà. Merci de vous être abonné et puis merci de partager aussi mes vidéos. Et merci pour vos petits messages qui me font plaisir. Alors, des démarches, du retard, des obstacles. On est peut-être attente de compromis ici. On attend de compromis, de conciliation, peut-être d'accord, de signature ici. Voilà, ça nous dit simplement qu'on a peut-être ici du retard. Simplement du retard sur les événements, toutes les démarches que vous avez entreprises ici. Voilà, donc peut-être des papiers que vous deviez signer ici. Ça peut parler de toutes sortes de stages, de formations, de diplômes, en tout cas tout ce qui est dans les recherches et les connaissances ici, hein. Donc on voit qu'il y a des retards, des obstacles sur les compromis. Donc les compromis, c'est négociation, des compromis, l'entente, hein, voilà, donc c'est vous qui voyez aussi. Donc là, les compromis, ce sont aussi toutes les choses qu'on essaie de négocier. Donc ça peut être aussi négociation au niveau de la banque ici. Hein, négociation pour des arrangements. Pour les conciliations, voilà, on voit qu'il y a encore des efforts à faire puisqu'on a la carte du retard qui est au milieu. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Allez, pour nos amis, pour ce week-end. Bon, les cadeaux, les mains tendues. Peut-être que certains ont demandé de l'aide, peut-être qu'ils sont peut-être en attente aussi peut-être d'aide. Hein. Allez, pour ce week-end pour nos amis. Pour ce week-end, samedi 23 et dimanche 24 janvier. Message. Alors pour certains, ça me parle de loi, ça me parle de papier administratif, tout ce qui est juridique, loi ici. Donc ce sont les cartes qui sont tombées ici. Hein. Alors loi, ça peut représenter aussi, ça peut représenter un huissier, ça peut représenter tous les choses qu'on a à faire à la loi. Hein. C'est vraiment les procès, les administrations, peut-être des statuts aussi. En tout cas, on voit que c'est tout à faire avec le droit, la justice, l'homme de loi. Voilà, tout ce qui a rapport avec bien sûr la justice. Sinon pour d'autres on pourra voir aussi que ça peut être l'équilibre aussi qui revient par rapport à une affaire qui a été mise en justice hein, ou d'un de loi ici. Vous voyez, on a ces accusations qui sont tombées. Voilà, vous avez des accusations, vous avez à un moment donné, vous avez peut-être eu des reproches, il y a eu de la diffamation, il peut y avoir aussi ici des actions menées de justice. Pour moi, c'est des actions amenées en justice ici. Et puis, cette carte de bouclier qui vous dit tout simplement que vous avez essayé quand même jouer la sécurité. Ici, peut-être que aussi on a peut-être des appuis, on a peut-être besoin de soutien ici, hein, voilà, d'appui en tout cas. Hein. Vous voyez, il y a eu des accusations ici, peut-être des affaires qui ont été menées en justice. Allez, peut-être encore d'autres messages. Allez, je vais couper. On va aller demander des messages. Petit message pour nos familles pour ce week-end.
mes petits messages pour ce week-end. Merci pour ce dimanche, samedi 23 et dimanche 24 pour mes amis. Quel message pour vous aujourd'hui? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, je vais aller chercher ici. On a la carte de la réunion. On a la carte de la maison. Bon, tu as l'air de voir tomber. Allez, un petit message. Allez, hop, ça me parle de contrat et des choses du passé. Allez, le dos de deck, c'est ici. Cette sexualité ici qui veut dire aussi qu'on peut être aussi dans les désirs. On a le désir de certaines choses ici avec la carte de la sexualité. Donc le miroir magique vous annonce quand même la chance. Hein. C'est une chance ici. On voit qu'il y a la santé, donc on est peut-être un mal-être ici. On a besoin de souffler tout simplement. Voilà, sur des choses peut-être du passé ici. Hein. Ça peut parler du passé. Donc ici, ça va nous parler ici de désir, ici de désir, de passion, peut-être, c'est simplement peut-être votre psychique ici, hein, voilà, tout simplement. Allez, on a cette loi ici, ces accusations, ici, voilà, on met ce bouclier ici afin de pouvoir se protéger aussi, hein, de se mettre une protection, peut-être par rapport à je pense qu'il y a peut-être une décision. On voit qu'il y a des gens qui discutent ici. Il y a comme une réunion ici. On voit qu'il y a une assemblée. En tout cas, on voit qu'il est question ici de discussion avec des gens, des personnes ici, par rapport à des accusations et puis à l'homme de loi ici. Donc ici, on a cette réunion. La réunion, ça peut être un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous de justice. Ça peut être aussi une convocation ici. Ou tout simplement, peut-être que vous allez aussi prier un avocat ici pour pouvoir vous défendre ici avec cette carte de réunion. En tout cas, la réunion nous représente aussi des pourparlers. On voit qu'il y a une sorte d'accord. Alors, ça peut être aussi un rendez-vous ici, hein, un rendez-vous pour mener peut-être à bien des problèmes de justice. Ici, on a cette maison. Donc, il peut être question aussi de problèmes ici de justice par rapport à une maison, hein, parce que ça représente quand même la maison, la famille. Alors peut-être, moi ça ne me dit pas d'héritage, ou peut-être là on a quand même l'hérédité, mais ça peut nous parler de lois, de papiers, de discussions, d'assemblées en tout cas, concernant alors la famille, mais c'est la maison, concernant la maison. Donc il peut être question ici... peut-être de votre domicile, votre foyer ici. Hein. Donc peut-être tout simplement, peut-être des choses qui sont passées par rapport à votre foyer, votre maison. On voit qu'il y a ici des actions, on voit qu'on a affaire avec un homme de loi ici. Hein. Je pense qu'il y a peut-être eu des problèmes ici. Alors peut-être ça peut me parler aussi. On va aller voir un peu plus loin quand même, parce que ici, bon, j'ai quand même des de la justice, de la réunion, des discussions concernant une maison ici. Hein, voilà, c'est ce que ça me dit ici. Ici, on est vraiment, on a du mal à se projeter, on est dans ce mal-être ici. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. C'est vraiment le refus. Alors, le refus de cela, peut-être que ça peut parler aussi d'avoir des problèmes peut-être de remboursement de maison. C'est ce que les messages qui me viennent ici, on peut parler de ça aussi. Hein. Des problèmes de règlement de maison, divers, hein, peut-être des problèmes de loyer, des problèmes de remboursement de crédit ici, mais on va aller en mettre la complémentarité après.
Ici, avec cette carte de projection, on a du mal à accepter les choses. On a du mal à même on a du mal à voir la propre réalité. On est dans le refus. On est vraiment dans le jugement. Hein, pour moi, il y a eu un jugement ici. Pour moi, il y a un jugement. Hein. Voilà, on a du mal on a du mal à voir les choses en face. Voyez. Ici, on est dans les désirs, dans les rêves, mais on est plutôt ici. Peut-être que ça nous dit que vous avez du mal à dormir actuellement. Ici, ça peut être, vous pourriez avoir aussi des cauchemars, des problèmes à dormir. Voyez, on a beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir hein, ici. Donc, ça me parle d'une femme ici, ça peut me parler d'un homme, puisque vous savez que c'est un tirage général. Ici, par rapport à ça, on est ici, par rapport, on a un contrat ici. En fait, c'est le contrat, mais c'est aussi tout ce qui est papier officiel, tout ce qui est signature. Et ça me parle sur des choses du passé. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose aussi au niveau du passé. Donc, pour moi, c'est un passé, ça peut être au niveau des racines. Alors, ça me parle de passé, ça me parle de racines, ça me parle d'ancêtres. Et peut-être qu'il est question aussi pour d'autres, on pourra peut-être qu'il peut être d'un héritage, d'une succession, d'un patrimoine, d'un legs ici. Hein, voilà, peut-être qu'il y a un jugement ici par rapport à ce legs ici. On voit qu'il y a des papiers ici. On va les voir après un peu plus loin. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées ici. Il peut être question, oui, d'un héritage aussi, hein, c'est ce que je voulais vous dire avec les choses qu'on a du mal à faire face quand même. Hein, peut-être un héritage. Pour d'autres, on pourra en parler peut-être aussi de problèmes, de difficultés, de papiers juridiques par rapport à une maison ici. Hein. Alors pour d'autres, il sera peut-être question aussi. Bon, on a quand même la joie ici à la coupe. On a besoin de souffler. Vous voyez, on me dit que vous avez besoin de souffler. Allez, on va voir si il y a quelques cartes qui sont tombées complémentaires ici. Donc on a des discussions ici. Après, c'est vous qui voyez hein, ce qui vous parle. Hein. Ça me parle d'un homme. Hein. Ça me parle de joie quand même. Hein. Alors, pour d'autres, alors, pour certains, on va parler de problèmes juridiques par rapport à une maison. Hein. D'accusation, de mal-être, d'essayer quand même de se protéger, mais on voit qu'on a du mal à accepter les choses. S'il y a eu un verdict ici, donc ça vous empêche de dormir, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux choses du papier. De passé, on voit qu'il y a eu des papiers pour moi juridiques ici, des signatures. Pour d'autres, on verra peut-être qu'il sera peut-être question d'héritage ici. Hein. Donc vraiment, on a ce mal aussi à se projeter aussi, puisque voilà, on est aussi un peu dans les ennuis avec ce rêve, hein, on a du mal aussi. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de discussions. Alors, ça peut être une discussion en famille. On voit qu'il y a beaucoup de discussions au sein peut-être de la famille. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication à ce propos. Ici, on voit qu'enfin, on va peut-être pouvoir aussi souffler. Donc, ça veut dire qu'on prend aussi de la distance avec tout ça. Hein. Donc, on a besoin de souffler, on a besoin peut-être de se déplacer aussi. Voilà, on a peut-être besoin de prendre une distance envers les objets et les autres, mais ça peut parler aussi de déplacements qu'on va faire. Hein. Donc on voit ici, bon, on a quand même des mains tendues, hein, donc je pense que quand même ça va bien se passer.
ici avec ce cadeau. Et ça me parle bien sûr d'un homme, mais on peut me parler aussi de couple ici, hein, puisqu'on a l'homme et la femme. Et puis, donc, de joie ici. Donc, je pense qu'il y a le temps, un temps, il faut du temps simplement. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises en action ici. Hein, voilà, donc c'est vous qui verrez. Aujourd'hui, ça me parle de ça. Alors, ça peut me parler, bon, ça me parle de travail aussi, mais ça peut me parler aussi avec cette carte de travail que on a mis, bien sûr, les choses en action tout simplement. C'est tous les actions que vous avez menées pour essayer de remettre les choses en niveau pour retrouver un certain équilibre ici. Hein. Donc ça peut me parler aussi des actions qu'on a mises dans les affaires ici, hein, affaires tribunales, administratif ou peu importe. C'est vraiment les exécutions, les opérations, ce qu'on fait intellectuellement aussi. Hein. Voilà. Donc pour moi, ça peut me parler de cela aussi. Alors, je vais aller chercher avec le tarot quelques cartes ici. Bon, on voit que vous allez quand même sortir, vous allez quand même sortir, vous allez vous sortir quand même de cette situation grandi et plus fort. Je pense que vous allez peut-être prendre du recul avec tout ça et que vous allez accepter certaines choses ici. Hein, voilà. Alors, ça peut parler de gens qui se trouvent en difficulté actuellement et que peut-être leurs biens ben, sont mis, bien sûr, dans les mains de tribunaux ici, hein, voilà, peut-être une saisie ou quelque chose comme ça, vous voyez. Me dit quand même que vous allez quand même sortir cette situation de tristesse hein, qui va guérir avec le temps. Il faut juste laisser le temps au temps, tout simplement. Hein, voilà, ici bah, il va falloir jongler aussi parce que ça me parle aussi avec le 2 de l'automne qu'il va falloir jongler avec plusieurs priorités ici. Peut-être essayer aussi de retrouver un emploi ici. Cette carte me confirme peut-être retrouver un emploi ou peut-être cumuler plusieurs emplois. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de plusieurs emplois pour essayer de mener à bien les difficultés que vous avez rencontrées. Donc, il pourrait être question d'une perte d'emploi ici qui a été difficile à surmonter. Et de ce fait, il y a des choses qui sont passées dans les mains de la justice, de l'huissier, de tribunaux ici. Hein. Voilà, ça peut me parler de cela. Voilà. Bon, pour l'instant, on vous dit que vous avez du mal à voir les choses avec clarté. Évidemment, c'est dur, je l'avais vu déjà dans le tirage. Hein. Voilà. Donc, il y a peut-être des choix qu'il va falloir faire ici. Mais pour l'instant, on est encore dans le sombre. On a du mal à y voir clair. On vous dit que la tristesse qui va guérir avec le temps. Voilà, il faut peut-être laisser le temps au temps, tout simplement. Voilà. Voilà, bon, allez, ça, quelque chose qui vient de passer. Voilà, c'est vraiment, ça va faire un mauvais souvenir ici. Hein. Par contre, il pourrait être question après de début de nouvelles, hein, de nouvelles choses, hein, de renaissance. Bon, il y a des choses qui sont du mal à passer ici. On voit qu'on a du mal à voir avec clarté certaines choses, certaines difficultés qui vous tombent dessus comme ça. Mais que vous allez bientôt, je pense, y avoir comme une renaissance ici. Hein. Vous allez remonter, vous allez avoir la capacité psychique, hein, spirituelle pour pouvoir aussi digérer un peu tout ça. Hein. Voilà. Pour l'instant, moi, je ne vois pas de quelque chose, moi, enfin, d'éclaircie. Pour ici, vous avez besoin encore de clarté. Vous êtes dans la capacité de voir les choses. C'est ce qu'on avait vu aussi avec cette carte, je sais plus où elle est en dessous, où du mal doit se projeter, hein, bien sûr. On est dans un mal-être, on a vraiment du mal pour l'instant à se projeter. Hein. Voilà. Bon, pour moi, je vois si c'est aussi un travail hein, qui a été aussi, qui s'est terminé. C'est pour ça que ça nous a emmené ici. On voit que vous allez vous risquer, enfin, vous risquez, vous allez peut-être pouvoir jongler avec plusieurs emplois ici. Peut-être pas trouver un emploi, un CDD à temps complet. Peut-être justement jongler avec plusieurs emplois. Voilà. Pour essayer de sortir un petit peu de ces difficultés ici. Hein. Voilà, c'était le tirage d'aujourd'hui. Les énergies pour ce week-end.
Alors, un petit message pour mes amis pour ce samedi 23 et dimanche 24. Bon, je vais prendre les deux dessus. On a des doutes encore. Vous voyez, on me parle, bon, la carte de la mort, elle est tombée. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Voilà, voilà, il y a une fin de quelque chose ici, vous voyez bien. Donc, c'est vrai que vous êtes dans la perte, hein, c'est sûr. Ici, il y a encore des doutes, vous voyez. Vous avez besoin de réponse, vous avez besoin encore de réponses, vous avez besoin de faire simplement un peu la clarté autour de vous. Vous voyez, cette carte vous demande de persévérer. Hein, voilà, voilà, vous savez, de toute façon, vous savez ce que vous pouvez faire et vous restez quand même déterminé et persévérer ici. Hein. Pour l'instant, on a la carte du doute ici, qui est la carte du milieu ici. Donc, il y a quelque chose ben, qui finit tout simplement. Alors, la mort, c'est pas une mauvaise carte en sorte. Hein. C'est bah, en fait, il y a quelque chose qui se termine. Alors, on a peut-être perdu aussi parce que des fois, on y laisse des plumes. Mais il y a un recommencement ici. Simplement, vous avez des doutes, mais sur les doutes, vous voyez, on vous demande bah, de nouveau refaire confiance ici. Hein. Voilà, de faire confiance et surtout de persévérer. Hein. Après, il y a peut-être des choses aussi qu'il faut accepter. Voilà, simplement accepter bah, des choses qui sont terminées tout simplement pour pouvoir, c'est comme la mort, hein, accepter et puis laisser place à un nouveau commencement et peut-être faire aussi bah, recommencer à zéro tout simplement. Hein, voilà ce que ça peut nous dire aussi. On vous demande du courage ici et puis la persévérance ici. Voilà. Allez, on va aller. Voir un peu notre domaine sentimental pour nos célibataires. Alors, pour nos célibataires. Le 23 et dimanche 24. Allez, troisième petite carte. Je crois qu'on a un beau tirage pour les sentimentales hein, pour vous. Hein. Voilà. Allez, je vais rechercher encore un petit message. Mais on a un beau tirage pour les célibataires hein, pour ce week-end. Voilà. Allez, c'est très bien. Alors, les célibataires, ben, on voit que ici il y a du renouveau ici au niveau sentimental. Donc, s'il y a du renouveau, ben, c'est bien, c'est qu'on a un changement. On a une belle transformation du renouveau au niveau, bien sûr, sentimental pour les célibataires. Ici, on vous dit que peut-être cette personne, alors que vous connaissez, que vous allez rencontrer, ici, on vous dit que c'est votre âme sœur ici. Donc, vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour moi, il y a des choses qui sont en train de bouger. Alors, pour moi, il y a peut-être un déménagement, peut-être que vous... vous songez peut-être ben, peut-être de vous mettre en couple, hein, pourquoi pas. Voilà, ça ne me parle pas de mariage, mais en tout cas, ça me parle peut-être de vous mettre ensemble ici. On voit que les choses bougent, on parle aussi de projets. Alors, peut-être des projets d'emménagement ensemble, ça peut être aussi des projets de vie commune, mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez faire des projets à deux, tout ça, peut-être l'achat d'une maison, un déménagement, un projet de bébé si vous pouvez encore. Sinon, ça me parle de projets, en tout cas, que vous allez faire ensemble ici. Hein. Et ça me parle quand même que ces choses arrivent, cette transformation, ces projets, les choses qui bougent et qui avancent, c'est quelque chose qui va aller rapidement. Parce qu'on a cette carte aussi de quelque chose qui va vite. Hein. Donc, il y a des choses qui vont se passer très vite ici, hein, pour nos célibataires. Allez, on va remettre quelques cartes pour ce week-end, pour nos célibataires. Merci de me redonner des petits messages. Allez, des petits messages pour nos célibataires. Je vais procéder à la coupe. Allez, des petits messages pour vos célibataires pour ce week-end, du samedi 23 et du 24.
Merci de me donner des petits messages. Alors, sympa que, ben voilà, c'est personne divorcée. Donc, c'est peut-être vous qui êtes divorcé ou c'est peut-être l'autre, hein, ici. Donc, vous voyez, on a la vie en commun ici. Vous voyez? Donc, peut-être que, voilà, c'est un remariage. Enfin, vous êtes peut-être aussi divorcé l'un ou l'autre, hein, peu importe ici, ou tous les deux, hein. Ça me parle de vie en commun. Vous voyez, c'est ce qu'on avait ici, la clé, et en fait, ça me ressort ici. Donc, je vais redemander un petit message. Voilà, pour conclure nos célibataires. C'est un beau message aujourd'hui, hein. Message de projet, d'espoir. Voilà, ça me parle donc bien du couple, hein, tout simplement. Et puis voilà, je crois que c'est terminé parce que voilà, il n'y a pas autre chose à dire. Je crois pas en tout cas. Voilà, il y a des choses en fait qui sont en train de bouger ici. On me parle de fusion aussi des sentiments. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est en train de mûrir ici. Hein. Voilà, donc des beaux projets à deux, de vie en commun en tout cas, hein, quelque chose qui va rapidement, hein, voilà, donc quelque chose qui sont en train de bouger, on me parle quand même d'une fusion de sentiments. Donc pour moi, il y a une transformation, un changement, des projets peut-être de vie en commun, voilà, mais rapide, pour moi c'est rapide. Donc c'est déjà dans vos pensées. Allez, on va les voir maintenant pour nos couples mariés. Allez, pour nos couples pour ce week-end du samedi 23 et dimanche 24. Allez, oh, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, allez, pour nos couples pour ce week-end, samedi 24 et dimanche 24. Non, dimanche. Dimanche, non, samedi 23 et dimanche 24. Moi, j'ai des problèmes avec les dates, hein. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. Allez, je me parle donc bien d'union, hein, d'un contrat de mariage ou pas. En tout cas, on voit que vous êtes en union. Allez, pour le couple. Merci de donner des messages pour le couple. C'est samedi 23 et dimanche 24. Allez, pour le couple. Allez, bon, on voit qu'il y a la relation qui est stable. Parle d'harmonie. Bon, bah, c'est à bouger pour les célibataires. Il n'y a pas de. Pour l'instant, les énergies sont ici. Alors, ça me parle ici. Ah, bah, voilà, c'est pour ça que je voyais cette carte. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi on a cette carte ici? Je ne sais pas. Alors, il y a eu des moments de doute ici, de réflexion. On a pris du recul ici pour les couples. Hein. Bon, quand même pas quand même de contrat de mariage ou d'union. Enfin, peu importe si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas contracté. Ça me parle d'un homme et ça peut me parler d'une femme aussi. On me parle que vous êtes en relation stable, quelque chose qui dure quand même depuis un certain temps ici. Alors, même si on était dans le doute, on a pris un petit peu de recul, on était à un moment donné dans cette réflexion ici, on voit qu'il y a eu une réconciliation avec vous-même, hein, tout simplement. C'est peut-être votre psychique, hein, c'est peut-être aussi vos pensées quelquefois. Et puis, voilà, ce printemps, bah, c'est vraiment la renaissance. En fait, il y a eu peut-être une perte de vitalité ici. C'est pour ça qu'on est un petit peu dans les doutes ici. Oui, on a eu à un moment donné peut-être un petit peu de doute, hein, tout simplement. On a eu un petit peu de doute, un petit peu de confusion, un petit peu de... Mais on a bien réfléchi, on a pris du recul dessus aussi. Et puis, on voit qu'il y a une réconciliation peut-être avec vous-même, avec la personne en tout cas. On voit qu'il y a quelque chose, une renaissance, un nouveau départ. Donc, ça peut me parler d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeau. Allez, nous allons aller voir pour nos couples, mariés en union. Bon, on voit qu'il y a un changement ici. Donc, ça peut être un nouveau départ ici. Hein. Ce nouveau départ, on avait ici. Alors peut-être que vous avez hésité aussi par rapport à un nouveau départ ici, mais ce nouveau départ en fait, voilà, c'est pas cette recul non plus ou cette réflexion qu'il aurait pu avoir dans votre couple, c'est peut-être par rapport à des projets, parce qu'on avait cette carte de projet ici, hein. Donc on voit qu'il y a un déménagement pour vous. Alors un déménagement, c'est peut-être un déménagement, alors un déménagement oui, ou un changement de région, ou un changement de ville. Alors peut-être que vous avez peut-être envie de partir, de déménager, de changer de ville, changer d'endroit en tout cas.
Voilà, donc c'est vraiment ici. Voilà, on vous dit que c'est votre âme sœur jumelle. Voilà, je ne vais peut-être pas aller plus loin parce que vous avez envie de vous éloigner tout simplement. Vous avez envie que les choses bougent. Voilà, tout simplement. Voilà, donc vous voyez, il y avait cette carte qui nous disait vous avez pris beaucoup de recul, il y a eu beaucoup de doutes. Alors, pas par rapport à votre couple, peut-être par rapport à l'environnement extérieur. Ici, ça me parle ben, tout simplement de nouveau, de renouveau, de projet qu'on fait ensemble. Pour moi, il est question de départ ici, de changement de lieu, de changement d'endroit, de changement de ville en tout cas. Voilà, on me dit que ça peut arriver par surprise, une belle surprise. Hein. Peut-être qu'en faisant vos recherches, vous allez tomber ben, peut-être sur quelque chose de formidable ici. Donc c'est vraiment, vous êtes bien sûr avec votre âme sœur flamme jumelle ici. Et puis ce déménagement, vous avez envie de vous éloigner un peu bah, de là où vous êtes. Vous avez besoin de voir autre chose, je pense, hein, pour donner une renaissance. On voit une renaissance en tout cas au sein de votre couple, hein, par rapport aussi à un déménagement, un changement ici. Vous avez envie, besoin, ce besoin de changement, de renouveau en tout cas. En tout cas, on voit que les choses y bougent pour vous. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher les petits messages de la mission de vie. Hop. Allez, les petits messages pour nos amis pour ce samedi et dimanche 23. Allez, deuxième. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Je vais quand même je vous les prendre. C'est parce que je remets mes cartes à l'endroit, mais je ferai ça tout à l'heure. Sinon, je vais commencer mon ménage avec vous. Quand je commence. Allez. Donc, je ferai ça tout à l'heure, hein, parce que sinon, vous allez assister à du ménage. Allez, période propice à la co-création ici. Donc, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme dit la page, l'adage, seul on va plus loin, ensemble. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, il y a écrit aussi, écrit bah, tout simplement, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie aussi. Alors peut-être que oui, tout simplement, les écrits. Sinon, quelquefois, c'est vrai que pour se libérer, quelquefois, quand on a les chakras de la gorge un peu coincés, qu'on a besoin de faire le point et de se libérer, on peut écrire aussi, ça fait du bien. Alors, tu peux diversifier tes activités, ben, c'est exactement ce qu'on a vu aussi dans le tirage général. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Et puis, le dernier message, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Voilà, ben on va terminer ce tirage ici pour ce week-end avec ces petits messages de la mission de vie. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà, ben je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et puis je vous retrouve ben, dès lundi. Voilà pour de nouvelles énergies. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Hein.